Bonjour, contente de vous retrouver pour le troisième épisode de Dorothée, la nouvelle de Michel Bussy, tirée du livre 13 à table. Donc je vous rappelle, c'est un livre qui paraît chaque année, les profits vont au Restaurant du Cœur et c'est aux éditions Pocket. On y va, vous êtes prêts? C'est parti. Vous roulez trop vite? J'ai levé les yeux au ciel. Enfin non, pas vraiment au ciel. La bécane RS Trophy R possédait tous les équipements possibles, mais n'avait pas l'option cabriolet. Avec la pluie qui tombait sur la 29, entre Cambrai et Amiens, je n'avais aucun regret. Jean-Loup, pouvez-vous regarder la route, s'il vous plaît? Je n'ai rien répondu, j'ai juste crispé mes mains sur le volant. Dorothée n'avait pas arrêté de faire des commentaires sur ma conduite depuis notre départ de Valenciennes. À chaque croisement, à chaque tournant, à chaque dépassement, respecter les distances de sécurité, ralentir, même au feu vert, au cas où il passerait au rouge, clignotant, contrôle rétro, intérieur, extérieur, même au moniteur d'auto-école, était moins pot de colle. N'allez pas trop vite, vous avez un peu trop tendance à accélérer dès que la route est droite. Devant moi s'étendaient d'interminables champs de céréales. Ah, ils devaient se marrer, Bernard et Stan. D'ailleurs, ils n'arrêtaient pas de m'envoyer des SMS. J'avais dû attendre le péage d'Ordain pour lire les messages en douce. Dorothée avait réagi dans la foulée. S'il vous plaît, Jean-Loup, restez concentré. Vous ne pouvez pas vous passer de votre téléphone le temps du trajet. J'ai encaissé sans me pencher. D'ordinaire, lors des longs déplacements, je répondais en direct à mes messages en utilisant la commande vocale. Mais là, avec Dorothée qui écoutait tout, je me suis rappelé le conseil de Stan. Méfie-toi, elle note tout puis va cafeter à la hiérarchie. Malgré moi, j'ai ralenti. Pile, 130. Dorothée serait contente. Même pas. Ralentissez davantage. Par temps de pluie, vous savez bien que la vitesse autorisée est de 110. Il crachinait à peine, même si les essuie-glaces allaient et venaient. Franchement, Dorothée, personne ne respecte la limitation de vitesse quand il pleut. Elle m'a sorti sa science comme une évidence. Les radars, aujourd'hui, savent très bien si vous roulez par grand soleil ou sous la pluie. Vous voulez vraiment perdre tous les points sur votre permis? Je n'ai même pas pris la peine de répondre. « Ok, chérie, je ralentis. » Je me suis tout de même autorisée à accrocher mon portable au pare-brise et à le connecter en Bluetooth. « T'inquiète, Dorothée, juste 2 secondes, juste une main, je ne lâche pas le volant. » Je savais que je prenais le risque que Bernard ou Stan m'envoie un SMS, qu'il s'affiche et que Dorothée le lise. « Tant pis, après tout, c'est eux qui passeraient pour les abrutis. » J'ai balancé la playlist. Best of the Rock of All Time. Compile perso. Des centaines de titres, de quoi rouler jusqu'à Bagdad sans péter un câble. J'ai à peine eu le temps d'écouter les cloches de Hell's Bells, l'intro d'Angus, que Dorothée baissait le son sans même me demander la permission. N'allez pas croire que je n'aime pas votre musique, Jean-Loup. Mais on approche de la baie de Somme. Droit devant vous, ouvrez les yeux. À cette époque, les cigognes et les hirondelles n'ont pas encore migré. Je croyais que je devais rester concentrée sur la route. Pour la première fois, la voix de Dorothée a laissé échapper un petit filet d'humanité, presque un sourire. Un point pour vous, Jean-Loup. Promis, je ne vous embête plus avant 5 minutes. On devrait bientôt apercevoir la flèche de la cathédrale d'Amiens. Vous ferez attention de ne pas trop pousser la voiture à fond. Le virage qui suit la montée est un peu serré. Je vous jure, Dorothée a continué ainsi pendant 2 heures. Je crois que je n'ai pas pu écouter un seul morceau sans qu'elle coupe un riff ou un solo. Je vous vois venir, vous qui me lisez. Vous êtes en train de vous dire que je ne suis qu'un macho. Le gars qui n'a pas fait d'études. Mais ça ne l'empêche pas de porter une cravate et des pompes italiennes. Et qui aime les belles bagnoles et les jolies filles assises sur le fauteuil passager. À condition qu'elles se taisent. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Que je peux obéir à un mec? Pas de problème. Et faire copain-copain avec une fille?
pas de problème. Mais que j'avoue, chez les femmes, l'autorité, j'ai du mal à supporter. Ça doit venir de ma mère. Elle m'a crié dessus depuis que je suis sortie de la maternité sans jamais s'arrêter jusqu'au lycée. Mon père avait cessé de lutter, se la fermait, montait juste le son de la télé. Je suis partie pour ça, à 18 ans. Je quitte les femmes pour ça dès qu'elles s'installent chez moi et haussent la voix, me demandent de ranger mon blouson sur un porte-manteau ou ma brosse à dents du bon côté du lavabo. Je ne crois pas que ce soit une attitude macho. Je crois même que c'est tout le contraire, une attitude de vrai mec féministe. Je refuse de laisser aux femmes la sphère domestique. Je me fiche que les femmes prennent le pouvoir, deviennent présidentes de la République, patronnes, écrivaines, flics. Mais qu'elles me foutent la paix chez moi! Et plus encore quand je suis au volant. La voix de Dorothée m'a brutalement sortie de mes pensées. Arrêtez-vous! J'ai répondu avec une touchante sincérité. Jamais je ne me serais cru capable d'autant de diplomatie. Voyons, je ne peux pas m'arrêter ainsi. Je roule à 110 km/h. Visibilité réduite, chaussée glissante, ce serait plutôt dangereux de piler. J'ai cru entendre Dorothée soupirer. Arrêtez-vous à la prochaine aire de repos. Vous roulez depuis 2 heures. Toutes les études démontrent qu'il est impératif de faire une pause au-delà de 120 minutes de conduite. Je n'ai même pas eu le courage de discuter. Je me suis surtout hâtée de déconnecter le Bluetooth. Un semestre venait d'arriver. Stan ou Bernard, la pause allait me donner l'occasion de me défouler en leur répondant. Ok, ai-je capitulé. 5 minutes, pas plus. Le temps d'un petit pipi. Ça n'a pas fait rire Dorothée. J'ai fait tout bien. Clignotant, ralentissement. Je me suis garée avec précaution sur l'aire de stationnement. Pour une fois, Dorothée n'a pas commenté. Parfait. Voilà. On se dit à bientôt pour la suite de la nouvelle de Dorothée de Michel Bussy. Ok, moi je suis impatiente. Bah, vous j'espère aussi. Alors à bientôt. Bye.